Tuto saxophone courgette. Vous avez besoin d'une courgette, alors elle n'est pas très droite, mais ça ira. Il faut couper le haut. Voilà. Ensuite, on coupe le bas. Et là, c'est... En fait, le truc, c'est qu'on va utiliser le machin pour les pommes, là. Et donc, il faut à peu près deux fois la longueur pour être sûr que ça passe. Donc là, c'est un peu trop grand. Sinon, j'arriverai pas à la... Voilà, je pense que là, ce sera mieux. Et donc là, on prend un truc de pomme et on l'enfonce dans la courgette. Voilà. Let's go. Par derrière. Par derrière, voilà. C'est toujours mieux. Voilà. Et maintenant, on part devant. Et voilà. Oh. Hop. Voilà, là, normalement, on voit à peu près à travers. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la loi de... J'arrive pas à cadrer, laisse tomber. Ouais, voilà. Ok, donc maintenant, on a la courgette. On prend le bec de Saxalto. C'est un bec classique AL3 Vendorel. L'avantage, c'est qu'il y a la petite rainure ici qui va faire qu'on va bien pouvoir l'enfoncer. Donc, en principe, là, tu vas juste de le mettre dedans et te forcer un peu et ça tiendra à peu près. Donc, je prends planche, hop. Je prends du 3 et du 8. Voilà. Et donc là, on prend la courgette et on y va. Et on enfonce le bec. Voilà. Ok, donc nous sommes en mineur, ça veut dire qu'il faut réussir à faire un mi grave avec l'instrument fermé, disons. Mais on est pas si mal hein, pour un premier essai. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais juste couper un peu le bout. Donc c'est une courgette en mi mineur en fait, par exemple. Exactement, une courgette en mi. Je coupe juste un peu le bout là, comme ça, ça sera à peine plus haut. Modulo, ce que le musicien arrive à faire, c'est pas mal. Donc ensuite, alors là le fa dièse il est un petit peu bas, donc du coup je vais un peu l'ouvrir au-dessus là, et je vais faire un trou un peu plus grand. Non, j'ai un fa dièse un peu juste. Ok, après le sol.